Et bienvenue tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve à bord de mon hélicoptère préféré pour de toutes nouvelles missions. Bienvenue dans ce Far Cry épisode 18. Je suis désolé si je mets un petit peu de temps pour les God of War et Far Cry. J'avais besoin d'un peu de repos, j'avais besoin de souffler un petit peu. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Et là on a un avant-poste parce que qui dit fumée dit avant-poste. On va essayer de se garer un petit peu avant, peut-être pas sur la route. Pas sur la route, ça me paraît pas être la meilleure des idées. On va se garer ici et on a un avant-poste près d'un lac. Ça peut être très sympa. Donc on va le faire. Je vais vous expliquer un petit peu le programme du jour, évidemment. On va libérer Marina. D'accord? Parce que Marina, elle est en galère. Elle est en galère, l'Amérique, ça lui parle pas beaucoup. Elle a des petits soucis, elle s'est fait capturer. Ça arrive, les gars. Ça arrive, se faire capturer dans le Montana. C'est pas nouveau, il n'y a pas de soucis. Donc, on va essayer de s'en occuper. Marina, hop, on suit. Il y a deux postes radio, très très bien. On va éviter d'appeler les secours. On va essayer de désactiver ça très rapidement. On va voir un petit peu comment ça peut se jauger, si je peux me permettre l'expression. De mes salutations distinguées. Et on va faire attention parce qu'il y a un petit radeau. Donc ça veut dire que ça peut venir de l'eau. Vous connaissez la musique? Petit radeau, où es-tu? Tu viens de l'eau. Voilà. C'est une musique que je viens d'inventer, mais ça peut marcher dans n'importe quelle bonne école primaire ou crèche. Il n'y a aucun souci. Ok, on y va, on va faire attention. Ok. On va se calmer. Ah, le Montana, c'est dangereux, hein. C'est plus ce que c'était. Hein. Ok, on a une lettre. Je suis déjà cramé. Ça, c'est la famille. Tire pas, il tire pas. C'est la merde, c'est la merde. Il a pas voulu viser et tirer. Désolé. Je suis mort. C'est sûrement... Bah les gars, je veux mourir et la recommencer. Non, tuez-moi. Je mérite d'être tué, je mérite totalement d'être tué. Voilà, on va recommencer les gars. Ça s'est pas passé comme prévu pour être honnête avec vous. De 1, j'avais dit quoi? J'avais dit, il faut que je m'habitue à jouer avec des compagnons. On est quand même arrivé à la moitié du jeu. Toujours un petit peu décalé. Ah bah le Montana ça me réussit pas spécialement tout le temps. Donc il faut que j'apprenne à jouer avec les compagnons. On va prendre Boomer à nos côtés ainsi que en l'air notre cher Rick. Il n'y a pas de souci. Rick, Nick, Nick, Rick, voilà. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc il y en avait deux ici. Allez, on est parti. Alors Abdelaïd, tu vas te calmer hein, s'il te plaît ma soeur parce que là je suis à deux doigts de tout brûler. Alors Boomer, toi je te veux dans mon équipe et on va prendre Nick, Rick, Rick, Nick, hop, le Rey. On y va, c'est bon, là on l'a refait, en mieux, on a Boomer, le frérot, le sang de la veine, non, c'est une blague, hein. Non mais sérieux, quoi, Jésus. Ok, on va passer par ici, ça voulait pas tirer, c'était terrible le coup du sniper, ça je suis désolé, j'ai voulu pardonner vos yeux. Elle me voit de loin quand même, hein. Après c'est bien, c'est qu'elle a des yeux. C'est tellement beau, efficace. Franchement, je me ferai l'amour. Je me ferai l'amour. Bon, elle, c'est fait, c'est à cause d'elle qu'on était cramé tout à l'heure. Oh, ils ont un petit parking privé. Oh, ça a investi, hein. Ok. Il y a toujours des mecs qui traînent ici, c'est terrible. On va faire attention. Ok, voilà. Lui, c'était juste pour localiser. On va bidouiller ça. Voilà, ça c'est fait. On va bidouiller la deuxième alarme. On a toujours Nick, Rick, Nick là-haut. Ok. On va lire ceci. Cher monsieur Urk, hop ça dégage. N'hésitez pas à mettre pause. C'est pas très intéressant. Ok. Bien joué mon boum-boum. Hop. On achève ses souffrances. Hein. Ok, on va se caler ici.
Ah. Ah. Hop, ça dégage. Ça, c'est pas mal. Ok, on va prendre le snipe. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ah, Boomer! J'arrive, boum boum. Quoi? Yes, Marina, c'est fait, libérée, aucune alarme. Je suis désolé, j'ai un petit peu chié. À certains moments, j'ai pêché mon père, mais c'est pas grave, on me pardonne. On y va au coup de perle. Ça, c'est mon solo de guitare préféré, les gars. Ah. Oh, yeah. Parce que c'est la mairie. Levez les bras en l'air. Ok, ça c'est fait. Je ne sais pas où est Marina. Elle doit être dans une marinade. Excellent, une blague du Montana, on adore. Très connu, hein, très réputé ce genre de blague. Voilà Marina. Adélaïde Dropman est un peu spéciale. Viens pas, mais elle a les moyens de bien emmerder Dunsgate. C'est le genre de personne qu'il nous faut. Va voir ce que tu pourrais faire pour elle. Eh ben, on va discuter avec elle de suite pour faire ces petites quêtes. Mais avant cela, on a un petit trésor caché qui peut être très 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 sympa. Frérot, dis-moi. Si vous croyez que la secte épargne les animaux, vous vous trompez. Ils ont du matériel à la Howling Cave. Ils s'en servent pour capturer les loups. Ok, donc ça c'est fait. Marina, 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 j'arrive. Non mais pourquoi je t'appelle Marina? Je ne sais pas ce qui se passe. Non mais arrête de crier, t'es toute seule. Dropman, ravi de faire ta connaissance. C'est gentil de m'avoir aidé à récupérer ma Marina, mais j'ai un autre problème, Trésor. Ces enculés de fanatiques ont piqué mon tulipe. C'est l'engin le plus rapide de ce côté du Montana, et j'ai pas l'intention de laisser ces raclures de bidets me le voler sans rien dire. Je l'ai reçu pour mon divorce, cet hélico, en toute légalité. L'espèce de bite dégénérée qui me l'a volé l'a repeint avec cette horrible couleur mayonnaise des tarés. Alors pour le retrouver, tu vas devoir identifier le pilote. Ça devrait être assez simple. Tous les autres hélicos du coin sont pilotés par des femmes. Avant, les week-ends, on volait ensemble. Mais notre amitié est partie en couille quand ces pauvres débiles ont rejoint Eden's Gate. Alors ça me dérange pas si jamais tu leur exploses la gueule par accident. Qu'est-ce t'en dis, Trésor? Aide-moi. Et mon tulipe et moi, on viendra te chercher quand tu voudras. Oh non... Vous savez ce que ça me rappelle? Oh, ça me rappelle quelque chose d'horrible. Rejoignez la tour de surveillance d'incendie à 1000 mètres. Ensuite, rejoignez le site de guet et rejoignez la cabane de chasse. Oh, ça, ça me rappelle. Oh, c'est terrible. C'est de très mauvais souvenirs. Je suis pas bien là. Ok, c'est pas grave. On va louer un hélicoptère. Ça me rappelle la quête avec avec le véhicule. Le véhicule qu'il fallait aller chercher. Le 4x4, le pick-up. Et là, ça sent pas bon. Cette mission, je vous le dis, ça ne sent pas bon. Allez, on prend notre hélico, on verra. Peut-être que si tout se passe en l'air, ça peut le faire. Boomer, tu veux venir ou pas? Hop, trop tard, Boomer, je décolle, hein, j'ai pas le temps pour tes conneries. Tu mets trop de temps à répondre, Boomer! Quoi? Quel est... Ah! Ok, c'est bon, j'ai déjà pris un sapin. Dès le début, c'était terrible. On est parti, direction 1000 mètres. Et c'est par... C'est pas ici, on va faire les choses en ordre. Donc ça s'appelle Crash Pest. Je vais devoir identifier un pilote, sûrement le tuer et revenir avec son hélicoptère. J'espère que son hélico est vraiment bien. Là, je ne sais pas par contre comment... Ah, c'est bien, c'est pas ce que je voulais faire. Je ne sais pas comment tirer... parce que regardez, j'ai trois munitions, trois types de munitions différents et je ne sais pas du tout si je peux varier les plaisirs. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse varier les plaisirs, c'est pas grave. On va essayer juste avec la mitrailleuse, on verra. De toute façon, c'est un hélicoptère, donc je vois pas, je peux pas vraiment embarquer d'ogive. T'as compris les bails. Ok, c'est ici. On va se garer à côté. Hein. On va essayer de... Oh, on a un autre hélicoptère. D'où Jésus. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, ça. Regardez. On va atterrir ici. Ça, c'est pas mal. Ça peut être très sympa, ça. Ok, on a un petit peu de monde, rien de bien folichon. Alors, mon lance-roquette, il est où? Il est en touche 3, très bien. Il faut vraiment que je mémorise ça, parce que croyez-moi que ça va nous être utile. On a quoi ici? On a un gars dedans. Ah non, il est à côté. On a un snipers. Attends, Boomer, reste ici, frérot. Fais pas le con.
Okay. Si t'es en face d'une femme pilote, c'est que c'est pas mon trip. Abat cette salope et continue à chercher. Ok. Ok, c'est parti, touche 3. Allez, ça dégage. Ok. Impossible, y'a des gars à nous à côté. Tu es, pardon. Ça dégage, hein. Oh, j'ai pas le temps, hein. J'ai pas le temps pour ces conneries, mon poteau. Ok, on va aller là-haut. Ça dégage. Bon. Jésus. Ok, on a un trésor par ici. Mais ah! Mais je brûle! Boomer, relève-toi. C'est rien, Boomer. Boom, boom, get, on y va. Ok, c'est pas mal. Non mais attends, il y a tout qui brûle. Ça par contre, c'était pas mal, on a apprécié. On va recharger peut-être le lance-roquette. Il est déjà rechargé. J'ai plus que une seule ogive. J'appelle ça des ogives. On est parti, direction 1800 mètres. Non mais attends, est-ce qu'on craint que c'est le dernier, tout Jésus. Ça va être le dernier, ces conneries là. Allez, on va à 1800 mètres, c'est bien, ça nous fait une petite balade. Oh, on a un avant-poste. Mais attendez, je quitte carrément la région là. Je quitte la région. J'ai bien envie de faire un petit entre-deux, si je puis me permettre, pour cet avant-poste. Attendez. Les gars. Non, on ne quitte pas du tout la région, bien évidemment. J'ai menti. Hein. C'est un mensonge. J'ai bien envie de faire cet avant-poste, quand même. Il y a même deux avant-postes. Ça serait l'épisode des avant-postes. Et on appellerait ça l'épisode de l'avant-poste. Tu vois ou pas? T'en penses quoi du projet? Ok, ça me paraît pas mal, ça. Hein. Ah, mais dans le Montana, t'as envie de faire beaucoup de choses. Attends, rassurez-moi, c'est pas en mouvement, ça. Non, c'est un site de guet, très bien. Ok, pas de soucis, c'est juste un site d'observation. On y va en hélico. Normalement, ça devrait le faire. Il y a peut-être même aucun méchant là-haut. Regardez, là, il y a plein de lumière, ça peut être sympa. Je suis sûr qu'il y a une boîte de nuit par ici. Faut faire l'avant-poste là-haut, hein, vraiment. Allez, on va atterrir. Yo, les frérots, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a du monde ou pas? Pas sûr. Je vois personne. Personne n'a pop au dernier moment. Ok, on va localiser donc. Alors qu'est-ce qu'on doit localiser sur une carte? Wouah! Non mais c'est les pales de l'hélico, les gars. Moi j'ai perdu mes cheveux. Hein. Quand t'auras trouvé ce fumier, attends qu'il pose mon beau tulipe. Ensuite, broie-lui les noix et ramène-moi mon engin. Et t'avise pas d'abîmer. D'où Jésus, je suis censé le faire au snipe? Comment je peux le... Ok, on y va, yep, hein, c'est 200 mètres. Hein. 200 mètres, ça se fait. Hein. Comment je suis... Il s'en va! Comment je suis censé le tuer? Attendez. Tuez le pilote qui a volé Tulip, ok. Et emparez-vous de l'hélico d'Adélaïde. Je vais donc devoir tuer le pilote... qui fait sans cesse des allers-retours, je suppose. Non, parce que cet hélico est nu à chier, les gars. C'est un hélico mécano. Hein. Ok, on va aller par ici. Ça dégage. Ça dégage. Ruche d'abeille ici. Ça dégage. Il vient là l'hélico ou pas là? J'ai pas le temps moi pour ces conneries. Il vient ou pas le frérot? Je crois qu'il vient. Ok, je crois qu'il vient. Non mais il vient pas, il se fout de ma gueule. Il fait genre, il descend et tout, là. Ça va pas? Ok, on va essayer de tout fouiller. Y'a rien. Ok, il a l'air de venir. Il vient pas. Si, c'est bon, il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Comment je peux m'en emparer? Ah mais faut que je l'attaque tout simplement.
très bien. Ah, je prends ça. Ok, il est mort. Il est mort. Yes, il est mort. Non! L'hélico d'Adélaïde a été détruit, mais pourquoi? Je croyais qu'il était à 2000 mètres, son hélico. Oh, Nikrik, il a zéro rigolé, les gars. J'y arriverai jamais. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Non, 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 non. Arrête, arrête. Tout arrête, tout arrête. Tout arrête. Allez, casse-toi. J'aimerais qu'on discute. J'aimerais qu'on discute, s'il vous plaît, de ce qui vient de se passer. J'ai donc heurté un rocher à la vitesse astronomique de 3 ou 4 km/h sûrement. Et ça m'a arraché. Et ça fait mal. Ça fait mal. J'en ai marre. J'en ai marre. Excellent. J'aime bien cette vision. Ok. On va atterrir ici calmement. Hop, ça dégage. J'atterris à l'ancienne, hein. Bah les couilles, pas le temps pour ces conneries. Attends, t'auras trouvé ce fumier. Attends qu'il pose mon beau tulipe. Voilà. Ensuite, broie-lui les noix et ramène-moi mon engin. Et t'avise pas d'abîmer. On va le faire à l'ancienne. Normalement, il y a toujours Nick en haut. Lui, bah frérot Nick, écoute, je suis désolé mon poteau, mais par contre, un petit sniper, ça peut m'être utile. Toi, je te veux dans mon équipe. Ça marche. Bonne chance. Allez, on va atterrir ici en express. On va les faire rapide. Voilà. Bien compris. Je viens vers vous. On a des tarés. Un ennemi. En plein dans la tête. Je bouge pour trouver le meilleur. Ok. Quoi? Non mais c'est une blague! C'est rien. C'est rien, relève-toi boomer. C'est la grenade que le mec a par ici acheté, putain, mais sérieux quoi. Ok. Oh putain. Ça c'est le moment rêvé. Change de place. Oh là, ce long shot! Problème droit devant. Oh non! Oh, je suis bloqué! Oh non! J'ai eu tellement chaud! J'ai eu tellement chaud! Oh, ce long shot des familles! On va devoir se battre! Ok? Ok. Allez, ça dégage. Ça dégage. Allez, hasta la vista, baby. Ça, c'est fait. Maintenant, direction 3000 mètres. 3 km. On s'en est plutôt bien sorti. Je suis assez fier de moi. Rapporte-moi mon hélico. Et si tu croises un truc qui te plaît pas en retour, hésite pas à utiliser les mitrailleuses de l'hélico. Tu verras. Elles envoient la purée. Elles sont comme j'aime. On va régler ce problème ou quoi? Est-ce que c'est sage de l'utiliser pour faire l'avant-poste qu'on a sur notre chemin? Deux avant-postes qu'on a sur notre chemin. Je ne sais pas. Non, j'ai pas trop confiance. Là, l'hélico, il vibre. Attends. Ouais, mais ça va, c'est pas des ogives non plus. D'accord, très bien. Ça va, c'est raisonnable. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Il est tout lent. Bon, normalement, on l'aura gratuitement. On verra ce qu'on fait avec. Mais il a l'air pas du tout solide. Je préfère l'hélico qu'on a gratuit. Pas vous mentir. Qu'est-ce qu'on a? Je vois rien. Je sais pas, allumez la lumière hein, chez vous, hein, si vous voyez pas. Faites-vous plaisir. C'est par ici, on y est presque. Je vais devoir atterrir en douceur. Parce que c'est là où j'ai pris quand même un sacré sapin. On s'en souvient. Ok, c'est par ici. Bon, Marina, elle sera de mon côté. Donc, Nick Ray en l'air. Marina juste au-dessus avec l'hélico, en vol stationnaire. Ça, c'est le bonheur, hein, les amis. C'est moi qui me le dis. Les tarés sont revenus, pire que des morpions. Quoi? J'espère que t'as mon tulipe, trésor. On a besoin d'aide.
posé l'hélico? Le seul remède contre toute cette violence, c'est encore un peu plus de violence. C'est triste, on n'a pas le choix. Ok, j'ai essayé des trucs. Hein. J'ai essayé des trucs. C'est nul. À quel moment quelqu'un a dit que c'était bien ça, de Jésus? C'est nul. Ok, on va faire attention. La bombe est larguée. Reste gaffe. Allez, ça dégage. Hein. Il a largué totalement à côté la bombe. Ah bah ça fait mal. Hein. Ok, c'est fait les gars. Je peux plus rien pour toi. Régale-moi. Nom d'une paire de miches en silicone. T'arrives pile à l'heure pour les réjouissances et tu me rapportes mon tulipe en un seul morceau. Je tiens toujours parole. Donc, si t'as besoin d'un pilote capable de dégommer les noix d'un écureuil à 15 mètres, n'hésite pas. Appelle-moi quand tu veux. Sauf au coucher du soleil. Oh non, mais ça a annulé, les gars! Oh là, mais c'est tout est ultra bugué ici, putain! Ah, faut que je reparle. Voilà. Ça a fait bugger parce que ici on n'est jamais tranquille. Le gros défaut du jeu, on n'est jamais tranquille. Ça fait que les personnages, quand ils sentent une menace, oublient la conversation. Donc on va lui reparler, regardez, vous allez voir. Ah, putain, t'as fait du super boulot. Alors, donc, appelle-moi quand tu veux. Sauf au coucher du soleil. C'est l'heure où Xander fait son yoga. Et j'aime bien regarder. Tu sais pas ce que tu rates si t'as pas vu son petit cul en posture du chien. Oh. Enfin, encore merci, lapin. Je te revaudrai ça. Avec l'autre connard qui crie derrière. Allez, crash pest, c'est fait. Mais calme-toi, écoute. Hé, tu te calmes. D'accord, c'est chiant. Entre nous, je pensais pas qu'on irait aussi loin. Face, mais tu te bats directement chez Face. Et elle sait qu'elle va perdre. Alors continue comme ça. Et oublie pas ce pauvre Burke. Si jamais tu croises le Marshall qui gambade par là, surtout tu l'attrapes. Faut qu'on sorte de cette saloperie. Tu m'aides. White Horse, terminé. Face a envoyé les élus. On va voir ce qui va se passer. Tu crois ce qui se passe? Leur drogue se répand partout. C'est de la merde toxique qui trafique chez Eden's Gate. Cette saloperie est comme un smoothie de l'enfer, tu vois. Et elle est dans la rivière. Tu vois ces gros conteneurs verts? Ils sont pleins de grâce et les cinglés les expédient dans un endroit vachement important. On doit trouver où et les détruire. Mon coach de vie, il dit que les problèmes, c'est comme les tractions, faut les décomposer. Donc, première étape. Je vais vendre un ordi qui pourrait nous aider à pister ces conteneurs. Ensuite, on les trouve et on les fait sauter, genre... Doubleur, il s'est chié dessus aussi, hein. Il s'en battait les couilles. Hein. Waouh, damn Daniel Montana. Allez, on y va, les gars. Rejoignez la station service. Eh, vous savez quoi? Hop, on va pas prendre son hélico parce que je ne peux point. On va le faire disparaître, par contre. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, son hélico, je veux plus le voir. Hop, je veux voir mon hélico sûr. Je préfère cet hélico, hein, très clairement. Hop, désolé. Voilà, hop, il a disparu. C'est le Montana, hein. Tout va très très vite, hein. Allez, on y va. Bon, on a rejoigné la station service. Par contre, elle a envoyé des élus à mes trousses. Je sais pas comment ça va se passer, mais faut s'attendre à tout moment à ce que je me fasse kidnapper. Et ça risque d'être terrible. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais ça risque de venir dans pas très 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 longtemps. Ok, là on a un barrage, on s'en fout. J'hésite à faire un avant-poste là-bas en fait. J'hésite totalement à faire un avant-poste. J'ai plutôt envie de terminer. Allez, on va faire cette mission. On va faire cette mission rejoignée à station service. Vous savez que ça va partir en couille. X 100. On va se garer où là? On va se garer ici. On va se garer ici. Vous savez que ça sent pas bon. Une fois dans le périmètre. Je fais des heures sup, c'est pour vous les potes. C'est vrai que ça fait longtemps que vous attendez Far Cry. J'en ai bien conscience. Mais vu que je suis en live tous les soirs, plus compliqué que prévu. Allez. Ok. Hey, j'ai failli
failli oublier. L'ordinateur va se connecter au GPS sur leur bateau. Malin, pas vrai? Alors trouve l'ordinateur, trouve les bateaux et trouve leurs conteneurs. Et après, tu fais tout péter. Bah ouais, mais attends, il y a carrément des hélicos et tout, putain. Attends. Pas de problème. Ok. Ok, on est pas mal. On y va. C'est rien, Boubou. C'est rien. Ça, c'est carrément Nick qui t'a arraché. Relève-toi, mon pote. Allez. Ok. Ah, waouh. Oh, la vache. Ça, c'est la guerre. Cross the smoke. Ok. On est bon. Ok, on y va. Oh là là, je suis désolé mon frérot. On le voit à travers les murs, ça je peux rien y faire. Ok, lisez si vous voulez. Pourquoi pas. Voilà, oh c'est une longue lettre de Lauriane Fainet. Et ça, ça fait plaisir. Ah! Une minute. Une minute de résistance, les potes. Oh, je tremble. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est pas mal, ça. Ça va, vous-même? Qu'est-ce que tu fais? Il se lèche le trou de balle. Il trouvait que c'était plus important. Il a bien raison, frérot. Qui s'amuse, si je pouvais faire pareil, je le ferais souvent. Waouh! Il a tué Boomer sans aucune pitié et une once de respect. Oh, ça passe! Attends, bombarde pas. Hein. Je suis sur Boomer. Hein. Je suis sur le sang de la veine du sang. Hein. Boomer, relève-toi, c'est rien, mon poteau. Ok. Donc là, les élus. Alors, si elle a envoyé les élus, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de monde. Ça va être encore plus terrible. Allez, piratage bientôt fini. On va voir si ça modifie okay, un truc. J'ai un signal GPS. On va pouvoir traquer ces bateaux. Je te conseille de les suivre depuis les airs. L'hélico d'Adélaïde est pari. Préviens-la pour qu'elle vienne te chercher. Prends de l'altitude et trouve ses conteneurs de grâce. D'accord. L'hélico d'Adélaïde est paré. Je vais prendre le mien si ça vous gêne pas. Ah bah, j'ai pas le choix de l'ajouter à mon escouade. Ah. Ok. Elle est là. Elle est là, la serotte. On la prend de ce pas. Faites-moi signe si vous avez besoin de moi. C'est ballot. Xander allait m'expliquer le yoga avant que je les coupe. On va appuyer sur G. Il va falloir patienter, bel étalon. Ok, elle arrive. Elle arrive en Y. On l'appelle l'OVNI. Allez, fais-moi arriver, s'il te plaît. Est-ce que ça serait pas bien que je prenne Nick Rick? Nick Try Drick à la place de Boomer sur le coup pour cette mission, ce serait pas mal, hein. Oh, elle atterrit en Y, elle s'en bat les couilles. Hein. Trop bien, on dirait un bouquin. Oh! On va un coin sûr. T'as fait une petite peinture, la famille. Ok, je fais quoi? Trouver le convoi. John Seed a violé une ville entière et il se présente toujours comme agent. D'accord, c'est elle de conduire. Aucun bruit n'est pas là. C'est le plaisir. C'est le plaisir d'un avion ultra silencieux. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Ah, ça c'est la belle fille. Enfermée mais... dans mon hélico avec un pilote mignon et mon chéri Xander dans l'oreille. Oh tout Jésus! Oh Adi, c'est magique! Ça me rappelle quand? Casse-toi! C'est bugué! Casse-toi! Merde impuissant qui me répétait sans arrêt les conneries que j'avais faites, il a tenu mais... J'ai fait bugger le jeu. J'ai fait bugger le jeu parce que j'ai pas pris la bonne place. Oh là, c'est la cata. Elle s'en va. J'arrive. Ne pars pas. Ok.
Attendez, c'est le bordel. C'est terrible, hein. Non, attends, s'il Merci, te plaît. Merci, Seigneur, pour la constitution. Je m'en occupe. Atterrissage. j'ai fait bugger le truc. C'est parti. Après, en vrai, je suis même pas obligé de prendre son avion. Hein. Ok. Ah ouais, mais voilà, c'est... Oh putain, c'est terrible. Viens. Eh bon, ça c'est terminé. C'est bon, t'es avec moi? On se casse. Non! T'es en train de mourir! C'est pas grave. Oh là là, ça va niquer la mission. Je sens que ça va niquer la mission. C'est terrible, les gars. C'est terrible. Dans quoi on est parti? C'est l'épisode le plus chelou du monde. C'est quoi cet épisode? C'est même pas un épisode sous drogue, c'est pire. Ah, elle va mourir. Elle va mourir, je crois. Fin de mission. Non, elle est juste indisponible. Très bien. Très, très bien. Bon, elle va peut-être apparaître dans mon hélico comme Jaja. Très, très bien. C'est horrible. C'est horrible tout ce qui... Les gars, enfin, c'est horrible. Non, c'est très drôle. Mais waouh, il se passe tellement de trucs, c'est nap. Ok, on va aller récupérer ça là-haut. Je sais pas du tout ce que c'est. 3000 mètres encore. On en fait de la distance. Là, clairement, c'est la région à faire en hélico. Alors, pour être honnête avec vous, jusqu'ici... Je préfère quand même la région de John. Voilà, je la trouvais vraiment cool. La région de Face, moyen, tu vois. Et puis, on l'a pas assez vu, Face. Elle a l'air un peu inoffensive, vous voyez ce que je veux dire. Elle a l'air faible. Menteuse, mais faible. Comment on va faire? Ok, quand t'auras trouvé les bateaux, suis-les. Ils te mèneront direct à leur planque. Ok, donc ça veut dire qu'ils ont une petite cachette secrète. On va les suivre calmement. Bah après, comment vous dire, il n'y a qu'une rivière jusqu'ici, donc on va voir ce que ça a donné. Quoi? Je suis déjà à l'OHP. Hein. J'ai pris ce que je méritais. Réparateur! Oh, je suis déjà à l'OHP, c'est terrible. Ah. Ok, faut rester encore un petit peu en retrait. Quand il y a le logo blanc, ça veut dire qu'ils nous voient, donc ils peuvent nous atteindre, voilà, comme là. Ah, ça va être horrible ce bruit. Ça va être vraiment horrible. Allez, les gars, il n'y a qu'une rivière. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Je fais quoi? Je vais mourir là en fait. Ça a pas bugué quand même. Je me rapproche si je meurs. Hein. Je brûle toi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ce délire. Mais je suis dedans. Oh non. Ah, rejoignez, c'est bon. Ok, j'ai peur. On peut voir de gros conteneurs de graisse vert. Vert comme le jus de cale, pas l'avocat. On peut voir la différence, okay. Parce que c'est... Ok, bon, il a fermé sa gueule. Hein. Tout n'est que bleu gris. Mon hélico qui disparaît. Merde. Ça va être la merde, hein. Ça va être la merde. Hein. Là, je vois pas trop comment faire. Ah ouais, j'ai plus l'hélico, putain. Yo, je sais bien que t'as les mains dans le cambouis, mais j'ai une idée. C'est une ancienne mine, alors ça doit grouiller de C4 et d'explosifs là-dedans. C'est parfait pour exploser les conteneurs de grâce. Pas vrai? Quoi? Ça tire à balles réelles! Ok. Ok. Ok, on va se soigner, j'ai 2 HP. Ça dégage.
Quoi? Allez, ça, j'ai pas le temps pour ces conneries. Oh la vache, la vache. On va faire les décales. À la Counter-Strike. Ok. Ok. Les conteneurs. Je suis pas bien. Les conteneurs de grâce. Je suis pas bien. Mais c'est qui là qui me blague? Ok. Terrible. Il y a un mec au lance-roquette un petit peu partout. On va faire tout le tour calmement. Gardons notre calme. Oh putain. Il en reste combien? Il en reste la moitié. Ça, ça va lui faire mal, ça, la face. Ça, ça va lui faire mal. Partez, partez. Je m'y connais. Ok. Les gars, maintenant, il me faut quoi? Il me faut... Oh, on va... Oh là là, toi, tu vas me régaler. Tu vas me régaler. Allez, pote. Hein. Je compte sur vous. Régalez-moi. J'avais demandé Beauchamp, ne quittez pas. Protégez la grâce. Ils doivent pas la détruire. Quoi? Je vais mourir. Je vais mourir. On a des cibles. Ok. Descendez. Ok. Ça, ça dégage. Mais va pas me tuer. C'est pas vrai. C'est quoi ça? Ça en prend. En munitions de fusil à pompe, ça, je prends volontiers. Ok, plus qu'un, c'est le dernier, vous êtes prêts? Et boum, mon pote! Allez, c'est terminé! C'est putain! La liberté par la pollution! Adélaïde s'était pas trompée sur toi. Un vrai chapeau de cow-boy avec des éperons. Elle parlait peut-être de ta vie sexuelle? Oh, c'est jamais avec elle. Enfin bref, à plus! Mission complete, on s'est régalé pour cet épisode, on a fait 3 ou 4 missions, c'était une régalade, hélicoptère Tulip à disposition, ça c'est fait, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. De quel droit les arrêtes-tu? Ces pèlerins souhaitent le salut, je t'interdis de les importuner. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.